Étude de Salvio, 1634. Pas très compliqué à vrai dire. Le premier coup est cavalier 6. Sur roi H1, on verra après G5. Donc cavalier 6, roi H1. Cavalier G4. H2, roi F1. Et sur G5, ce pion est quand même bien pratique. Nous avons cavalier F2, échec et mat. Sur cavalier F6, donc non pas roi H1 que l'on vient de voir, mais G5. Cavalier G4, échec. Roi H1, roi F1. H2 seul coup, cavalier F2, mat. Dans cette séquence, plutôt que de jouer H2, qui provoque roi F1, G5, cavalier F2, par un ordre de coups différent, on retombe dans la même séquence. Sur cavalier G4, donc non pas H2, mais G5 maintenant, on a tout simplement roi F1 et on a la même séquence. H2 seul coup et cavalier F2, mat. Donc une étude de Salvio, 1634.